Il faut dire que Zéro Goutte de Sang est une association qui milite dans le domaine de la sécurité routière à travers les sensibilisations portées sur les usagers de la circulation routière. Alors, de ce point de vue, il faut savoir que ça devient une activité, une association qui joue un rôle qui appartient en réalité à la police nationale. Ce n'est pas une activité qui se démarque des devoirs et des rôles que doivent jouer la police nationale, parce que ça porte sur la sécurité routière. Alors, du point de vue prévention et du point de vue répression, il faut dire que c'est notre devoir. Mais son association met l'accent sur le volet prévention à travers la sensibilisation. Donc, une façon de vous dire que, bien que c'est au contraire, son association, ses activités complètent en fait la police. C'est une activité qui joue un rôle, c'est vrai, dans un domaine associatif, mais qui appuie, qui accompagne la police nationale dans un domaine de prévention de la sécurité routière. Par conséquent, je vais vous dire sans hésitation que son activité ne porte pas préjudice véritablement à l'activité professionnelle qu'il mène à notre niveau. Du reste, il est notre chargé de relations publiques. À ce titre, déjà, ses membres dans l'association sont nos usagers désormais, sont nos collaborateurs et deviennent nos partenaires en quelque sorte. Ce qui est un supplément en matière de relations publiques que nous gagnons sur le plan de la sympathie, sur le plan du politique.